Mesdames et messieurs, avec vous, Rachid Badouri. Calme-toi, calme-toi. Elle est en train de danser. Oh ouais, oh ouais. Elle n'a jamais sorti, elle. Mon nom est Rachid Badouri, québécois d'origine marocaine. Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Levez la main, ceux qui ne me connaissent pas. Oui, sortez. Et non, reste là, mais sors. Mais je suis un québécois d'origine marocaine. Tu peux rire comme la mademoiselle parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas. Mon père, c'est le seul qui n'a pas, migré en France, en Belgique, en Suisse. Il s'est endormi dans le bateau jusqu'au Québec. Au Canada, il fait froid ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je veux dire, on n'est pas beaucoup d'immigrants au Québec. 400 000 en tout seulement dans cette grosse province du Québec. 400 000! Il y a un ghetto arabe au Québec, c'est moi. Et je l'ai su que j'étais le seul brun. Vous dites beurre en Europe, nous on dit brun. À l'école, au primaire, c'est là que je l'ai su que j'étais le seul. Parce que quand les Québécois m'ont vu dans la cour d'école, ils étaient surpris, ils m'ont encerclé comme ça. Hey Robert, va chercher le filet à papillon, on va... Où est ta planète? Moi, je leur faisais peur, je répondais... J'avais pas d'amis! J'avais deux amis, c'est pathétique, deux amis au primaire, c'est la merde, non! Deux! Le premier, il avait pas le choix de traîner avec moi, c'était le seul black de l'école. Le deuxième aussi, il avait pas le choix, c'était un Québécois, mais il était roux. Alors, t'imagines le trio dégueulasse, hein? Un noir, un brun, un roux. On marchait dans l'école, un à côté de l'autre, on avait l'air de l'évolution de la rouille. Tu l'as compris celle-là? Ah, vas-y, tape, tape, c'est gratuit, tape. Wallah, c'est gratuit, je suis dur. Je suis ici, l'accent, c'est bon. On m'a dit, fais attention, hein, en Europe, en Suisse, on comprend pas Rachid quand tu parles français. J'en ai marre d'entendre ça. C'est vrai, j'ai un accent, oui. Mais moi, je comprends pas quand vous parlez en anglais. C'est quoi cet accent de merde? Dis-moi, c'est qui vous a appris l'anglais, c'est qui? Hein? Hein? Comme moi, j'ai vu hier un film avec l'acteur Will Smith. Toi, t'avais un film avec Will Smith, hmm? Mais le pire que j'ai entendu, moi, je suis un fan de Michael Jackson. La première fois, une dame m'a vu et m'a dit « Ah, mais tu sais quoi, Rachid? C'est dommage pour Michael et sa dernière tournée qu'il n'a pas pu faire. » Elle croit, je pense qu'elle parlait de « This is it ». Elle m'a dit « C'est dommage pour sa tournée, Zizizit. » J'ai dit « Quoi ?» Elle m'a dit « Zizizit. » Zizit, zitoun, oui, mais zizizit, j'ai jamais entendu. Mais je me fous pas de votre gueule, j'adore la Suisse, j'adore, j'avais hâte d'arriver ici. Parce que c'est très multiculturel ici, il y a beaucoup de... C'est très riche en culture, ouais. C'est riche aussi, mais c'est... Ah, bah, tu vois, même votre rire, il est riche. C'est riche ici, c'est pas possible. Mais non, je fais des blagues, c'est très riche en culture. Il y a des Arabes en Suisse en prison, mais il y a vraiment de... C'est pas... Non, a... c'est très divers. En tout cas, c'est pas comme au Québec, ça c'est sûr et certain. Et je vous le dis, j'adore être ici. Et je me fous pas de votre gueule avec l'anglais, hein. Il y en a qui ont pris ça un peu mal. Non, non, il y a... au Québec, il y a pire que vous. Il y a mon père en anglais. C'est un crime le laisser parler en anglais. Papa? Comment on dit 10 en anglais? C'est facile, on dit 10. Wow! Comment on dit 20? What, 10? Ferme ta gueule, hein. OK, comment on dit à quelqu'un en anglais, viens ici? C'est facile, je le regarde, je lui dis, hé! Hey, come here! Come here! D'accord, comment tu lui dis, va là-bas? Moi, je vis là-bas. Et je lui dis, hé! Hey, come here! Voilà! Vas-y, tape, hein, Al! Tape! À chaque fois, je pense à mon père et je pense à l'anglais. Je pense à un voyage qu'on a fait qui va rester marqué dans ma mémoire. On est parti à Cape Cod en vacances. On arrive à la douane américaine. Je vois le douanier américain qui s'approche de la voiture. Comment te dire? Je sais que c'est mon père qui va peut-être lui parler en anglais. Je sens la merde. Hein? Je dis, papa, laisse-moi parler avec lui à ta place. Hein? Laisse-moi. Hein? Juste, on va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. Pourquoi? C'est moi qui vais lui parler. Ferme-toi avant que je t'arrache l'orteil. Papa!
Je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traverse la frontière américaine, c'est ce qu'ils ont écrit à côté du mot louche dans le dictionnaire. S'il vous plaît, laisse-moi. Ferme-la. Il arrive. Bonjour, how are you? How are you? Where are you going, sir? Cape Cod, mon ami. And where are you from? Cape Cod, mon ami. You making fun of me, sir? Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et mon père, le berbère, il veut faire son dur et lui répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Attends! Tu sais comment il lui a dit, Montreux? Tu sais comment il lui a dit, peut-être que oui, peut-être que non, en anglais? Eh hey, ouais, baby, yes, baby, non! Baby, yes! Pas baby, maybe, baby! Est-ce qu'il va pleuvoir, Mohamed? Baby, qu'est-ce qui me casse les couilles, je sais pas. Et là, on a cherché la plage. Comme des abrutis, on a cherché la plage. Ouais, pendant une heure. La seule famille qui a pas trouvé la plage dans une ville entourée d'eau. Une île, comme des cons. Il y avait du sable dans nos pieds, on trouvait pas la plage. Mon père était énervé. Il arrêtait sa voiture en plein milieu de la rue. Vous restez là, vous la fermez. Il y avait une madame policière qui faisait la circulation. Madame! Come here. Excuse me, look, where is the... Comment on dit la plage? Where is the beach? look here, look, big bitch, connais rien, regarde quand même, regarde, look here, I want to sleep on the beach, eh? Dis-lui, je paye pas pour la plage, bitch free, I don't pay for bitch. Le lendemain, on l'a sorti de prison, et voilà, on a fait un détour pour venir jusqu'ici, ça a été long, on n'a pas eu un vol direct, la malchance que j'ai, on a arrêté à Paris. C'est chaud, Paris, c'est chaud. Je suis arrivé à la douane, il y avait le douanier, si tu peux appeler ça un douanier, il avait un uniforme assez bizarre, pantalon très serré avec un truc jaune sur le côté, il avait une casquette avec la palette, comme ça ici, très petit. C'était bizarre comme costume, un peu serré et tout. Nous, nos costumes en Amérique, les policiers, ils ont l'air de Robocop. Là-bas, c'est casse-noisette, tu comprends? C'est comme... Monsieur, votre passeport et votre carte de douane. Fais-lui. C'est le prochain en ligne. Il me dit, toi, oui, toi, monsieur propre, viens ici, viens. C'est pas drôle, ris pas, c'est pas drôle, quoi, tu ris comme un... Et ton passeport et ta carte douanière. Je donne mon passeport et ma carte douanière. Il dit, alors, Richard Badouri. Ça commence bien, hein. Moi, c'est Rachid Badouri. Hey, t'es arabe et t'es à Paris, cherche pas la merde, appelle-toi Richard. Non, mais ça... Alors, profession humoriste, c'est quoi ça? Humoriste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Je fais rire des gens. Ah, t'es un clown! Non, je raconte des blagues. Eh, raconte des blagues, le petit! Ah, vas-y, raconte une blague pour voir! Monsieur, c'est mon métier. Raconte une blague ou tu passes pas à couscous, elle est une blague! Monsieur, c'est mon métier, vous êtes douanier, est-ce que je vous dis, ah, faites-moi une fouille? Mais t'as qu'à demander, Robert! Va chercher l'huile d'olive pour Richard, on va le... J'adore la Suisse, je suis bien ici, très très bien, c'est cool. Je faisais des blagues sur l'arbre, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'arabes et tout, j'en ai croisé quelques-uns, c'est vrai, il y en a plein. En tout cas, il y a plus de Rachid ici qu'il y en a au Québec, et moi je rêvais de ça quand j'étais jeune. Oh, il n'y avait pas de Rachid, ouais, j'avais hâte d'avoir un prénom populaire, les gens se moquaient de moi, c'est quoi ça Rachid, Rachid, c'est quoi ça? J'avais hâte, je rêvais, j'hallucinais un peu trop, j'avais hâte qu'en Amérique un Rachid s'élève et qu'il popularise mon prénom, hein, mais j'hallucinais un peu trop. J'allumais la télé, j'étais sûr qu'aux nouvelles, on allait nous apprendre que c'est finalement pas Neil Armstrong qui a marché sur la Lune, mais l'astronaute Rachid Armstrong qui a marché sur... Tu te rappelles de l'astronaute Neil Armstrong? It is one small step for mankind. Imagine-toi, l'astronaute Rachid Armstrong. C'est une babouche pour l'homme. Hein? Les Américains ont envoyé un arabe sur la lune. Waouh! Il n'aurait juste pas ramené. Vas-y, monte, madame. Mets le voile, il fait froid. Monte. T'imagines, au moment du retour, Rachid Armstrong seul sur la lune. Houston? Houston. J'ai une saloperie de problème. Hein. J'y vois pas la navette. Hein. Au même moment, il y a un astronaute roumain, oubliez-le en 44. S'il vous plaît. Je retourne. Il
J'hallucinais un peu trop. Je rêvais à des Rachid connus. Des Rachid Jordan. Des Rachid Jackson. Moi, j'étais un malade fou. J'étais le plus grand fan sur la Terre du célèbre Michael Jackson. Comme je vous disais en début de sketch, c'est ça. Moi, Michael Jackson, c'était ma vie. J'étais Michael, je vivais, je bougeais comme Michael, je parlais comme lui. J'étais fou. Tellement ma mère m'a cousu des paillettes sur un gant de cuisine. C'est pas très pratique parce que Michael, il pointait souvent avec son gant. Tu rappelles? Dark you! Dark you when I'm alone. Moi, avec mon gant... Nathalie, j'étais malade, je parlais, je bougeais comme lui. Si je mangeais ma soupe et que je me brûlais les lèvres, je me brûlais en Michael Jackson. C'est chaud. C'est chaud. Maman ta soupe. Maman ta soupe. Maman ta... Maman, I'm saying, I'm sorry, maman, tout ça. I'm saying, I'm sorry, maman, tout ça. Maman, ta soupe est chaude. Partout où j'allais, je te parlais de Michael Jackson. Je t'offrais des spectacles gratuits de Michael Jackson. T'avais pas le choix de me regarder parce que je bloquais la circulation. Tu sais, au carrefour, des fois, je bloquais les voitures. Non, tu passes pas avec ta voiture. Ma mère qui m'encourage sur le trottoir, Michael, venez voir Michael Jackson avec la police. On a un problème, il y a une Roumaine avec son fils qu'il faut... Faites circuler les gitans, allez-y. Partout où j'allais, je parlais de lui. C'est une maladie. Partout où j'allais, je t'offrais un show de Michael Jackson. Je me rappelle un jour, je suis arrivé très tôt à l'école. Je suis arrivé très très tôt à l'école. Je suis arrivé à l'heure. Il y avait... C'est très tôt pour moi. Et des filles, elles étaient juste là à la porte, comme ça. Elles me regardaient, elles me fixaient. Et à cause qu'elles me fixaient, et à cause qu'elles étaient belles, j'avais pas le choix, Montreux. Je devrais leur offrir un show de Michael Jackson. Oh, shit de merde. C'est pas drôle. Les filles! I'm gonna make a change. For once in my life, it's gonna feel real good. Jambon, jambon. Je mange pas de jambon. Hein? Quoi? Mon lacet est défait. Mon lacet. Shit. Les filles. Vous voulez du chewing-gum? J'en ai plus. J'en ai plus, je te dis. J'en ai plus. J'en ai plus. Merci beaucoup! C'est très très gentil. Encore un peu, s'il vous plaît. Merci, c'est encore. C'est l'histoire d'un Belge, d'un Suisse, d'un Canadien, d'un Français, d'un Africain. Non, ouais, je sais, ça sonne comme le début d'une mauvaise blague. C'est ça le principe de Joke Nation, pour les gens qui ne le savaient pas. Les artistes que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, ben, ils viennent de tous les pays. Tous les pays, on a recruté de tous les pays des très 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 bons humoristes. Et ensemble, on forme la première communauté internationale de l'humour. Faites du bruit parce que le gala Joke Nation est maintenant ouvert, Montreux! Faites du bruit! Yes! 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 Le premier artiste qu'on va accueillir ce soir tous ensemble, c'est lui qui va ouvrir le gala. Et puis c'est un espoir
de l'humour belge. Espoir, humour, belge. Trois mots qui ne vont pas ensemble. Originaire d'Espagne, mesdames, muchachas, mujeres, mujeres, hijo de puta, je vous demande... J'ai dit une connerie, là. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, come on, commencez à taper les mains pour Guillermo Guiz. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Montreux, très heureux d'être là. Comme Rachid l'a dit, je viens de Belgique, mais je tiens directement à dire que je suis là en paix. Pour pas qu'il y ait de malentendus. Avec cette histoire de terrorisme, c'est terrible pour un Belge de se dire quand son pays aujourd'hui est assimilé au terrorisme, alors que chez nous on a des pédophiles merveilleux, des gens hyper compétents, qui se battent au jour le jour pour la réputation de ce pays. C'est terrible d'être Belge aujourd'hui. Évidemment, pour vous, vous risquez rien à ce niveau-là. Hein. Le dernier terroriste suisse, pour avoir son âge, il faut y aller au carbone 14, quoi. Donc, le mec le plus dangereux de l'histoire de la Suisse, il faisait sauter des pommes, quoi, avec une arbalète. Donc on a un autre niveau. Pour moi, c'est d'autant plus difficile que j'ai... La commune de Molenbeek, dont vous avez certainement entendu parler, j'ai grandi vraiment dans la commune d'à côté qui s'appelle Anderlecht. Anderlecht, c'est là où tu as le siège social de confession intime. C'est à Anderlecht. C'est-à-dire que dans les églises d'Anderlecht, Jésus, il est en chaussettes blanches. Dans des crocs. Les vrais supporters, les vrais Anderlecht, toi, tu les remarques facilement parce qu'ils ont toujours un maillot du Sporting d'Anderlecht sur eux, l'équipe locale, généralement avec un numéro 21 dans le dos, en hommage à la trisomie. On est comme ça. Non, mais c'est vrai. Quand ils viennent à Anderlecht, les ch'tis, ils prennent confiance, en fait. Rien que nos tatouages à Anderlecht sont patrimoine mondial, c'est un truc de dingue. À Anderlecht, ton fils s'appelle Jason, tu mets Jason dans un cœur, le cœur dans un tigre, le tigre sur un dragon, le dragon sur Johnny, Johnny sur une Harley Davidson, et tu es le favori aux élections. C'est comme ça. On est comme ça dans mon quartier. Et moi, je viens de là. J'ai pas une enfance facile à cause de ça, notamment, mais pas que. Parce que Rachid l'a dit, Guillermo Guiz, c'est mon nom de scène, en réalité. Moi, mon vrai prénom, c'est Guy. Guy, un prénom qui pue le sexe. Entre vieilles personnes, en général. Hein. Moi, en Belgique, légalement, je suis obligé de coucher avec des Monique, des Françoise, des Josette. Tu as toute l'expérience du monde, mais ça te coûte un bras en lubrifiant, c'est pas facile tous les jours. Non, c'est vrai. C'est compliqué. Guy, quoi. Guy. Et mes parents, ils ont aucune excuse en plus. C'est long une grossesse, quoi. T'as le temps de voir venir, hein. C'est pas un accident de bagnole. Et choisir un prénom, c'est pas un réflexe, quoi. T'es pas là. Guy. Oh, désolé, ça arrivait tellement vite. Non, t'aimes pas tout nouveau-né, ça arrive. T'es pas prêt, mais alors tu fais comme tout le monde, tu te renseignes. Tu le congèles. Bah oui. Ah, lis les journaux. Tu lui donnes pas un prénom pourri, ça c'est cruel. Faut savoir que Guy, socialement, pour démarrer dans la vie, c'est l'équivalent d'un bec de lièvre, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas évident tous les jours. Je demandais pas grand chose. Loïc, Sébastien, Cédric, je sais pas vous appeler comment, monsieur. Ouais, Xavier, c'est pas un bon exemple, mais je veux dire, je me serais appelé Loïc, mais j'aurais perdu mon pucelage des années plus tôt. Et peut-être même gratuitement. Le seul moment de ma vie où ça s'est plutôt bien passé pour moi, c'est quand je vivais en Espagne. Parce que là-bas, les filles étaient complètement incapables de prononcer mon prénom. Elles arrivaient chez moi, elles me faisaient « Hola, ¿cómo te llamas ?» Moi, je disais « Guy ». Elles me disaient « Gui ». Je disais « Non, pas Gui. Sinon, je t'aurais dit direct Gui, en fait. Hein, tu vois, c'est un contrat social. Tu me demandes mon prénom, je te réponds. » Et ça vient de là, Guillermo, en fait. Parce que les Espagnols, bizarrement, ils sont capables de prononcer Guillermo, mais pas juste Guy. Oh, c'est pas si étonnant que le pays soit en faillite, quoi, tu vois, il y a un moment où... C'est vrai. Et là, où les Espagnols étaient encore moins forts, c'est pour prononcer mon nom de famille. Parce qu'en plus d'avoir un prénom qui pue la défaite, moi je m'appelle Guy Verstraten. Essaye de devenir une star avec un nom comme ça. T'imagines l'affiche? Penelope Cruz, Johnny Depp, Guy Verstraten.
Tu peux pas être sur cette affiche, tu peux pas être dans la chambre d'un adolescent sur un poster, c'est pas possible. Tu peux être dans la chambre de ses grands-parents, sur une ordonnance médicale. Giver Stratton, urologue. Giver Stratton, boucherie chevaline. Giver Stratton, Guy, André, Daniel, Michel Verstraten. Moi, le jour de ma naissance, Dieu, il a chié sur ma carte d'identité. Et il m'a rien laissé. Je suis né un 23 novembre, 23 novembre, journée mondiale de la dépression nerveuse. Il fait noir à 14h, 3 degrés dehors, un petit vent de fils de pute qui donne envie de mourir. Et tu peux être qui tu veux le 23 novembre, tu craques, hein. Le 23 novembre, le Dalai Lama, il est chez sa mère, sous un plaid, avec un pot d'agendas. Il regarde Motus. Et il a aucun match sur Tinder. Guy, le seul truc qui me rassure, c'est que je me dis, un jour j'aurai 70 ans, je m'appellerai toujours Guy, et théoriquement je vais faire un carnage dans les maisons de retraite. Bon. Ce qui, quelque part, rend ma situation largement plus enviable que celle de Jordi. Parce que Jordi, un jour, aura 70 ans, et s'appellera toujours Jordi. Et pour lui, son prénom, ce sera comme un vieux tatouage tribal qu'il n'arrive pas à enlever de ses fesses. Vous vous rappelez tous de Jordi? C'était une star à 4 ans, quel gaspillage de groupies. Les filles venaient chez lui, Jordi, prends-moi dans ta loge. Je disais, écoute, je peux rien faire pour toi. Désolé, vois ça avec mon père. Ça doit être terrible d'être un enfant star et de retomber dans l'anonymat, ça doit être terrible. Ça doit être terrible. C'est pour ça que, quand t'es le petit Grégory, par exemple, tu n'as pas cette nostalgie de l'époque où t'étais un peu connu, les gens te reconnaissaient. Il s'est arrêté au sommet comme Kurt Cobain et ça, c'est... Ok, on est dans un trou d'air niveau capital sympathie. J'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de bien non plus. À ce propos, je veux savoir, tu peux rallumer la salle une seconde, s'il te plaît? Ok, je veux savoir, par main levée, vous faites les malins. Par main levée, qui considère ici qu'il est quelqu'un de bien? C'est tout! Que des crevures, en fait! T'as Montreux, c'est beau, mais c'est mal peuplé, quoi! Et t'as, ça me désespère! C'est pas facile de savoir si t'es quelqu'un de bien. Pour savoir si t'es quelqu'un de bien, t'es obligé de te confronter à des situations extrêmes et à voir comment tu réagis. Y'a que comme ça que tu sais si t'as un bon fond ou un mauvais fond. Je pensais à ça, j'étais en Belgique, dans le métro, et en face de moi, il y avait un enfant. Vraiment moche. Vraiment moche, un ratage complet, pas un œil pour rattraper l'autre, Tchernobyl. Eh bien, je lui ai pas dit. Bon fond, merci. Bon fond. Ouais, ses parents étaient à côté, j'avais envie de les gifler, quoi. J'avais envie de dire, les gars, si tout le monde se met à faire des bestioles comme ça, dans 200 ans, on est de retour dans l'océan, quoi. Avec des nageoires, des branchies, une queue, enfin, il y a un enjeu, les gars, il faut serrer les coudes, c'est important, l'évolution. Je l'ai pas dit. Bon fond. Même chose pour les places pour handicapés. Je prends jamais, jamais une place pour handicapés, alors que ces places sont systématiquement libres. Pour une raison tout à fait logique, c'est que quand t'es handicapé, soit tu conduis pas, soit tu comprends pas que tu peux te garer sur la place pour handicapés. Ah ouais? Ces places, tu pourrais les réserver à des elfes ou à des licornes, ce serait pareil, il y aurait jamais personne dessus. Rendez-nous nos places de parking, bande d'égoïstes. Après, on parlera de vos rampes d'accès. Ok, je vais aller en enfer. Bon, c'est bon. Mais je vous remercie d'avoir passé cette dernière soirée avec moi. Vous avez été super. Merci beaucoup, les amis. Vous avez été super. Bonne soirée. Salaud, il a changé de prénom, il m'a dit, il est espagnol, son nom c'est Guy. Je vais pas rire avec un prénom comme le mien, Rachid. Ah, j'ai mangé des claques, moi, Rachid, Arachid, la 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 la. Mais il y a des gens qui font pas attention. Quand vous nommez vos enfants, il a raison, faites attention. T'as vu le joueur de foot au Brésil? Caca. Je sais pas faire une blague de caca, c'est vrai, il s'appelle Caca. Et apparemment, caca, caca, au Brésil, ça veut dire quelque chose de bien. Mais on s'en fout, parce que dans le reste du monde, tu dis caca, ça veut dire d'autres choses. Hein? Tu vas en Espagne, tu dis una caca, por favor, ils vont comprendre. T'imagines l'annonceur sportif à la télé, il était mélangé, il était confus. Oh, quelle belle passe de caca. Oh, caca court. Caca tombe et il se relève et...
retombe, un peu mou ce caca. Vous êtes prêts pour le prochain invité? Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on accueille un petit gars, chevelu, mais efficace. S'il n'était pas humoriste, il serait un super plumeau. Mesdames et messieurs, Verino! Bonsoir, merci. À quel moment, quand il a dit plumeau, tout le monde s'est dit « Ah, c'est lui, c'est sûr. » C'est Verino. Eh, hey, merci pour votre accueil, c'est cool. C'est la sixième fois que je viens au Festival de Montreux. Et je viens de m'apercevoir d'un truc seulement maintenant. Vous avez un distributeur de baguettes 24 heures sur 24. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est une invention française. Ouais, il y a que vous qui l'avez acheté. Un distributeur de baguettes 24 heures sur 24. Ça fait 3 millions d'années que l'être humain évolue et on en est au stade où on invente ça. J'imagine dans la salle, il y a des gens qui aiment le pain. Oui, oula, qu'est-ce que je fais? Toute la salle, alors on te le dira jamais. C'est mon jardin secret. Je suis allé trop loin? J'ai l'impression que j'ai dit le mot quenelle. On n'a pas le droit de rire à ça. Si, dites-moi, je voudrais surtout pas vous... Il y en a qui se barrent. Viens, on s'en va, Brigitte. On parle pas de pain dans les spectacles. Espèce de malade. Bon, les gens qui aiment le pain, tout le temps. Enfin, je veux dire, vous avez déjà été en manque un jour, au point de justifier l'invention d'un distributeur 24 heures sur 24. Tu t'es déjà retrouvé à 2 heures du matin, il me faut du pain. Il me faut du vinaigre. Je veux savoir si vous voulez faire... Ou des miettes, Wouh. Tiens, moi j'aime le pain, tu peux t'organiser. Une boulangerie s'ouvre de 6h30 le matin à 20h30 le soir, d'accord? Imagine t'as encore faim, tu peux aller au restaurant jusqu'à 22h. Imagine t'as encore faim, il y a toujours le McDo jusqu'à 2h du mat. Et ensuite il y a toujours les épiceries, hein, dans lesquelles tu peux acheter du pain de mie périmé à 27€ le paquet. Et ouais, c'est les tarifs chez nous. Jusqu'à 4h du matin, donc en gros, si on y réfléchit bien, le coût des baguettes 24h sur 24, c'est pour qui? C'est pour les gens qui prennent leur petit-déj entre 4h et 6h30 le matin. Oui? C'est qui? Les boulangers. Allez! Est-ce que c'était vraiment une invention indispensable? Vraiment, je vous jure, j'ai retourné le truc dans tous les sens. Hein. Vraiment, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une seule situation dans laquelle tu peux être content de tomber sur un distributeur. Une seule. Il est 4h du matin. Eh, la soirée est cool jusque-là. Hein. Y'a pas de problème, mais bon, là, ça va faire 20 minutes, tu cherches un putain de kebab. Putain. Ils sont où, les mecs? D'habitude, y en a partout. Tu sais quoi, je rentre à la maison, je vais prendre une bière, ça va me tasser tout ça. Et ensuite... Oh. Oh. Merci. Alors, attends. Eh ouais, bah ouais, comment ça marche maintenant? Bonjour et bienvenue sur Baguette 2424. La baguette plaisir, la baguette que tu désires. Les baguettes les plus chaudes de ton quartier. Tu as faim? Ah ouais. Pour commander une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Et je l'ai dit, hein. Mais si t'es pas content, je redis, baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Putain! Ce produit est en rupture de stock. Pour une baguette, dites baguette. Baguette, connasse! Vous avez commandé une fougasse. Ah. Non, pas du tout. Moi, je veux une baguette. Une baguette. Vous avez commandé une baguette. Oui! Pour une baguette normale, tapez 1. Pour une baguette au levain, tapez 2. D'accord. Pour une baguette de campagne, tapez 3. Pour une baguette normale sans sel, tapez 1A.
avec sel, 1B. Avec sel, mais pas trop de sel et du levain, tapez 1AB7. Pour une baguette avec des céréales sans croûte bien cuites de 250 grammes, avec mie, un peu moins de levain et juste ce qu'il faut. Oh, mais arrête ! Vous souhaitez arrêter votre commande et revenir au menu principal. C'est pas toi, arrête, c'est l'autre derrière, il me tire la veste. Hé, tu peux attendre 2 secondes, je suis en train de commander une baguette. Vous avez demandé une baguette. Oui, voilà. Avec l'extérieur croustillant à souhait. Ouais. Avec de la mie aérienne, ouais. Des effluves de céréales, voilà. Une croûte dorée et chaude. Enfin bref, une baguette plaisir, la baguette que tu désires. Ouais, voilà, c'est ça que je veux. Eh bien, pour commander une baguette, dites baguette. Je veux une baguette. Oh, ça va. On a compris que tu voulais une baguette, là. Ah bah ouais, et bah tu vois, même lui, il a compris. Désolé, c'est à cause de... Ta gueule. Vous avez commandé un bagel. Millions d'années d'évolution pour arriver à ça. Est-ce que t'es fier d'être un être humain? Sans avis. De toute manière, on est suisse, on n'a pas d'avis, de toute manière. Impartial. Alors moi, je vous avoue, dernièrement, j'ai arrêté de croire en l'être humain. J'ai toujours eu de l'ambition pour l'humain. Je me suis toujours dit qu'on allait faire des trucs de ouf un jour, qu'on allait peut-être conquérir les étoiles, tout ça, tout ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai arrêté vraiment définitivement de croire à notre évolution. C'est depuis les attentats, quoi, depuis Charlie Hebdo et les dernières atrocités qui se sont passées. Oui, je vais faire des blagues sur les attentats, d'accord? finalement, tu peux parler de pain, finalement, ça va. Ça va. Non, je voudrais pas vous choquer, mais je pense qu'il faut en rire. C'est horrible, on va pas remettre ça en question, on est d'accord. Mais juste, faut remettre ça en parallèle avec tout ce qui s'est passé depuis un an avec les terroristes. Parce qu'il y en a eu des attentats foirés. Hein. Je sais pas si vous avez bien subi, vous avez vu le Thalys ou pas? Vous vous souvenez de ça? C'est qu'il y a un mec qui est rentré dans le train, c'est avec des flingues partout. Ah! Et il s'est fait choper et derrière il a dit « Ah, je les ai trouvés par terre. » C'est ça ton excuse? C'est comme si les flics ils allaient faire « Oh la chance! On trouve jamais rien nous! » Ah, bruti! Et heureusement qu'il y avait les Américains dans le train. Hein. Heureusement, hein, mais je le dis, vraiment. Je suis français, j'assume totalement. Mais il y aurait eu que nous, tout le monde était mort. Mais vraiment, j'aurais été pareil. Tu vois le mec rentrer, tu fais « Oh non! » Oh bah c'est bien ma veine! Dans mon train! Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, selfie, voilà! Et pareil, il y a 6 mois, il y a un attentat qui a été joué. L'attentat, il s'est déjoué tout seul, le mec, il s'est tiré dans le pied. Vous avez entendu ça ou pas? C'est tellement drôle. À la Wagfri! Et qu'est-ce qu'il a fait derrière pour mes réflexes? Il appelle la police. Tu es terroriste. À quel moment tu t'es dit, j'ai des alliés, normalement, du côté des flics? Ah, bruti, lui, tu sens qu'il aurait fait le 11 septembre, mais en ULM. Ah, c'est des teubés, les terroristes. C'est des teubés. Pareil, je sais qu'il y a un moment pour Charlie Hebdo. Évidemment, c'était atroce, évidemment. Mais pour Charlie Hebdo, je sais qu'il y a un moment où tout le monde a tilté. C'est le moment précis où on a vu qu'ils avaient oublié la carte d'identité dans la voiture. Tout le monde a tilté. Même moi, je suis pas un adepte de la théorie du complot. Hein. Mais là, je me suis dit non. Non. Je suis sûr, même les flics, ils ont vu la carte, ils ont dit, on la cache. Non mais on peut pas la prendre comme ça, ils vont dire qu'on a triché après. Et t'imagines la gueule des mecs d'Al-Qaïda devant BFM, ils sont à nous les deux là. Et on revendique pas, hein. Non, et on arrête d'embaucher les Français, c'est des blaireaux. Et imagine le deuxième frangin planqué dans l'imprimerie, le mec il ouvre le rideau, il voit tous les flics dehors, il fait, mais comment ils nous ont retrouvés les mecs? Et t'as l'autre derrière, ah j'ai oublié de te dire un truc. Oh tu vas rire, oh là là. Si, si, tu vas rire, pose ton pistolet. J'ai oublié la carte d'identité dans la C3. Pareil, juste une Citroën C3. Et là, dernièrement, c'était une Seat Ibiza. Tu es terroriste. C'est ta dernière location de toute ta vie. Tu prends une Citroën. C'est une voiture de papa, c'est fait pour partir au week-end. Allez les enfants, tout le monde a sa calache. Oh mon Dieu! Ça fait du bien un peu de rire de ça, hein? Ça va, tout le monde en rit, sans problème? Non, mais ce que je me méfie, il y a une histoire de loi, une espèce de loi dans l'humour, c'est que quand t'es concerné par un sujet, c'est toujours plus compliqué d'en rire. Donc si jamais il y a des gens qui sont très concernés par ce sujet-là, voilà, j'en ai surtout pas... Tu sais, il y a peut-être des terroristes dans la salle qui font « Hey, faut pas faire d'amalgame, on n'est pas tous comme ça ouais. !» Pas d'amalgame. Mais en attendant, ils sont quand même pas malins. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. 2 terroristes, 2 cerveaux pour arriver à ça. Ok? 2.
J'aurais tellement aimé les voir en individuel. Quand à deux, tu fais ça, à un, tu fais quoi? Ils sont à deux dans la voiture, comme ça, tranquille. Ils ont une bombe prête à exploser à l'arrière. Ils ont mis le timer à midi. Faut bien que la bombe, elle explose à midi. Ok, on est parti, c'est parti, go! Ils ont oublié de passer l'heure d'été. Ah! Ah là 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 là! Ils sont morts tout seuls au milieu de nulle part! Avec le journaliste, je suis sur les lieux de l'attaque. Voilà, voilà où deux forcenés ont décidé de faire exploser les chiottes de l'air de Toisy. Bon. Ah non, aucune revendication pour le moment. Combien de morts? Bah deux, les deux connards. Hein. Et tu les imagines arriver là-haut, les mecs? Et les 72 vierges? Oh bah non, les gars, bah non, 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 non. Bah non, mais mettez-vous à quatre pattes, y'a les copains qui arrivent. Allez. Et je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée. C'est fort, hein? Mon pote Virino, j'adore son sketch sur le truc de la baguette. On a de la misère à se faire comprendre. Lui, c'est avec les baguettes, moi, c'est avec les restaurants chinois au Québec. Si tu viens au Québec un jour, fais attention, si t'es pressé, si t'es en retard, ne va pas manger dans un restaurant chinois. Ça va être long avant de commander. C'est toujours le même truc. Tu rentres, t'as le serveur qui t'attaque, et là, avec son petit carnet, son petit crayon, « Ah, oh, bonjour, bonjour bonjour, bonjour, ok, ok. » Oh, c'est pour manger? Oui, pour manger, j'aimerais ça prendre un numéro 1 avec poulet. Ah, ok, avec bœuf. Pas dit bœuf, j'ai dit poulet. Ah, ok, avec canard. Poulet! J'ai énervé. La première fois que j'ai mis les pieds en France, je suis arrivé là, j'avais un spectacle. Une heure avant, je suis allé manger. Et je rentre dans un restaurant chinois. Et c'est comment on est, les êtres humains, on juge. J'ai dit, ça va être la même chose qu'au Québec. Et je suis pressé, je me la fais pas cette fois-ci. Je l'ai attaqué, le pauvre. Je rentre, j'ai même pas laissé le temps de parler. Je le vois arriver avec son carnet comme ça. Je fais, hey, poulet, numéro 1, poulet, chicken, dish, poulet. Pourquoi il me parle comme ça, ce con-là, hein? Tu l'as cassé ta gueule, ma chaleur. Il parle bien. Est-ce qu'on est prêt à accueillir le prochain? Le prochain humoriste a presque tout pour lui. Il a été formé au cours Flora. Il a son propre one-man show. Il est chroniqueur radio. Il a été découvert ici, au Festival de Montreux, en 2009. Faites du bruit pour le Belge, Alex Fizorek. Bonsoir, Montreux. Je suis belge. Voilà, les premiers rires. Non, mais c'est la règle, parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant « je suis belge » parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon, alors, moi, je leur dis « amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette ?» Rassurez-vous, je ne vais pas faire 5 minutes sur la baguette. Hein. Ça, c'est déjà fait. Oui, d'ailleurs, on va se mettre d'accord. Quand moi, je dis « posez-vous la question », vraiment, vous, ce soir, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi, pendant le sketch, moi, j'aime bien comme ça poser des grandes questions, mais parfois, je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Voilà une salle bien divisée. On va pouvoir y aller. Malraux a dit, ça te calme tout le monde. Alors, c'est terrible, à Paris, ils me disent toujours, oui, le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. Et là, je les rassure immédiatement, je leur dis, oulala, non, vraiment, l'arrogance, c'est pas un défaut de chez nous. À Paris, ça ne rit jamais à ce moment-là. C'est le manque de recul, c'est le manque de recul. Malraux a dit, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et comme moi, j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, eh bien, j'ai décidé que pendant 10 minutes, on allait parler d'art. Et je vous demanderai bien sûr de tempérer l'enthousiasme. Eh ouais, Montreux, moi j'ai décidé de vous tester, voir si vous étiez fort en art. Moi, je pense que vous êtes une ville très culturelle, donc j'ai préparé un quiz. Alors attention, vous faites une seule équipe, je pose les questions, et on y va avec une première question sur l'art. Attention, là, j'aime bien cette belle concentration. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège.
Ne vous jetez pas sur la réponse. Celui de... droite, tout à fait, très bonne réponse. C'est l'un de trois qui se sont sacrifiés pour l'équipe. C'est un tableau d'Henri Matisse, la dame au chapeau. Hein, on sent qu'il a vraiment tout donné sur les couleurs et puis il a pris le premier titre qui passait. Mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. C'est un tableau du douanier Rousseau. Et ça, tout le monde le connaît, c'est vraiment le grand peintre naïf qui probablement était plus naïf que douanier. Très très malvenu ce que vous avez pensé là. Bon, je vous laisse le point, mais attention, là c'était facile. Le niveau monte avec cette deuxième question. Alors restez bien évidemment... Il faut attendre la question. Écoutez, moi je fais tout pour monter le niveau. Si vous ne m'aidez pas, vous êtes dissipé, Montreux. Hein. Vous vous en rendez bien compte. Lequel des deux est une pipe? J'ai dû grimer parce qu'il y avait la réponse. Celui de... Oula! Autant le fauvisme, ça n'a pas passionné tout le monde, autant là, vraiment, on vous sent sur un sujet fort. Oui, c'était celui de gauche, mais il y a une vraie explication artistique, et je vais vous la donner, sur le tableau, qui est un tableau de Magritte, énorme peintre belge. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art, et ce n'est pas une pipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a écrit dessus, Magritte. Tandis que sur la photo, bon, on le voit, là... C'est clairement la demoiselle qui fait l'action. Et... Les amateurs de jeux de mots se régalent. Et donc ici, voilà, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Non, dans la grande majorité des cas, non. Mais alors, ça, non. C'est quelque chose que vous allez régler chez vous, par équipe de deux, je ne veux pas le savoir, vraiment. On se reconcentre, vous avez deux points, et on va encore monter le niveau avec la troisième question. Ça rigole beaucoup moins. Lequel des deux est un monochrome? Il y a un piège. Celui de... Eh bien, très très bien, monochrome bleu d'Yves Klein. Alors le piège, c'est quoi? L'autre. L'autre, c'est un achrome, aprivatif, chrome couleur, pas de couleur. C'est un tableau de Piero Manzoni, qui est un grand maître de l'art pauvre. Voilà, ce type est à la peinture, ce que Dominique Strauss-Kahn est au conte de fées. C'était bien parti. Youpé! Bon, alors évidemment, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je vous le propose, ramenez ça chez vous, réfléchissez à tout ça. Et j'ai pas envie qu'ensemble, on se moque de l'art pauvre, parce que c'est un courant important. L'Italie, fin des années 50, début des années 60, arte povera. Et il n'y a pas eu que de la peinture. Tenez-vous bien, je vous ai apporté aussi, il y a eu de la sculpture. Et voilà, ça c'est... Oui. Faut l'imaginer dans un musée, hein. Mais cela dit, il faut être honnête, quand on mange une salade, ben, on se dit souvent, tiens, c'est emmerdant, parce qu'il y a un petit caillou dedans. Eh bien, ici, on le retrouve beaucoup plus facilement. Et je sens que ça vous passionne, l'art pauvre, donc je vais vous expliquer qu'il y a eu de la peinture, il y a eu de la sculpture, tenez-vous bien, il y a même eu de la musique. Et je trouve que c'est important de le... Voilà, mais ne riez pas parce qu'il l'a déposé. Ça s'appelle 4 minutes 33, c'est de John Cage. Ne le jouez pas n'importe comment, ça se joue en 3-4 bémols, sinon ça ne sonne pas du tout pareil. Et alors, il y en a qui le découvrent peut-être, je crois que le mieux... c'est qu'on s'écoute un extrait ensemble. Voilà. J'ai pris le meilleur moment hein, pour que vous l'ayez bien dans l'oreille. Alors, cela dit, je voudrais qu'on revienne au tableau tout blanc. Parce que, excusez-moi, je pense que c'est le nœud de l'histoire de l'art. Comment, en quelques centaines d'années, alors qu'on a la Joconde, qui est un chef-d'œuvre absolu, en quelques centaines d'années, on arrive à un tableau tout blanc? Eh bien, j'ai fait des recherches, et tout commencerait avec Monet. Monet, quand il peint l'entrée de Giverny sous la neige.
qui est un tableau qu'on aurait pu se contenter d'appeler « Chouette, il y a de la neige ». Bon, alors, vous l'avez remarqué, parce que je sens que vous êtes une salle très concernée et très futée, on n'est pas dans un achrome à proprement parler, mais on sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous emmène en 1915, il y a à peu près 100 ans, 1915, avec Malevitch. Malevitch qui peint carré noir sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis, hein. Je vous le propose. Ramenez ça chez vous, réfléchissez à ça. Cela dit, j'ai une anecdote sur le tableau excellente. C'est qu'il paraît que Malevitch n'était pas hyper content de son travail. Et pourtant, on le voit, il n'a pas dépassé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pendant 3 ans. De 1915 à 1918, il n'y avait rien de mieux à foutre que de bien réfléchir. Il est revenu, 1918, Eureka, était tout, j'ai trouvé. Je vais faire quelque chose de plus sobre. Carré blanc sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis, hein, là-dessus, vraiment. Je vous le propose, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchissez. Et donc, quelques dizaines d'années plus tard, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, il le voit, ce tableau, il se dit, c'est con, il a oublié de peindre le carré, je vais me sacrifier et je te fais le tableau tout blanc, l'achrome parfait. Voilà, et là, on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était très mal connaître Lucio Fontana, qui s'est quand même posé la question. Il s'est dit, comment est-ce que je peux aller plus loin que nulle part? Il s'est dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. C'est génial, c'est génial. Et puis, c'est relativement pratique. Il arrive vers 9h à l'atelier. À 9h10, le tableau est terminé. Il peut aller prendre l'apéro avec les amis, tout ça. Et là, dans la salle, il y a des gens de gauche qui se posent la question, mais comment est-ce qu'un artiste peut faire pour passer à travers une toile? Il y a des gens de droite qui se disent, mais combien ça peut valoir un truc pareil? Non, mais c'est intéressant, c'est tout des questionnements intéressants. Et le lendemain, le gars, il revient au travail à 9h et il se dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans? Un tableau blanc avec... Mais non! 3 coups de cutter dedans! Mais les artistes sont surprenants, on les attend là, et ils sont là, tac, tac! C'est génial! Et le lendemain, 9h, il vient, il se dit, qu'est-ce qui est mieux que 3 coups de cutter dedans? 6 coups de cutter dedans, dans tous les sens! Je ne sais pas s'il sortait d'une soirée bunga bunga! Et là, si vous voulez, Manzoni et Fontana, c'est les 2 pointures de l'art pauvre. Et donc Manzoni, un jour, il se dit, bah tiens, je vais aller voir ce que fait mon pote. Il se dit, je vais y aller à 9h, pour être sûr de ne pas le louper. Normal. Et il arrive à 9h, et il voit ça. Il se dit, merde, il est fort. Il se dit, mais si chaque fois que je fais un truc, l'autre y met des coups de cutter dedans, j'arrête la peinture. Mais j'ai encore pas mal de bonnes idées. Nous sommes en 1961, Manzoni a 28 ans et il se lance dans l'art plastique et il crée ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'italien, hein? Et à l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90 des petites boîtes comme ça, 30 grammes dans chaque, et là il s'est dit, l'autre ne mettra jamais un coup de cutter dedans. Eh oui. Et donc, bon, à la dernière vente, parce que ça se vend entre collectionneurs d'art, il y en a une de ces boîtes qui est partie, c'était il y a 2-3 ans, à 120 000 euros. 30 grammes, 120 000 euros. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Moi, je dis juste... Pensons-y, et je dirais même, pensons-y en tirant la chasse.
Bon, là, il faut aussi dire que de temps en temps, je rencontre un spécialiste de l'art moderne et il vient me voir et il dit « Oui, votre spectacle, c'est amusant. Mais on sent que vous ne connaissez pas grand-chose à l'art moderne. » J'ai dit « Ah bon ?» Il dit « L'art moderne, ce qui compte, c'est pas tant l'œuvre, c'est d'avoir eu l'idée. » Et ça, c'est vrai, il fallait quand même solidement l'avoir eu, cette idée-là. Parce que, je dirais que, techniquement, c'est pas exagérément compliqué. On peut tous y arriver. Voilà. Déféquer dans une boîte de conserve, à moins, vraiment, une grosse overdose d'imodium, je pense qu'on va tous y arriver. Et ça pose une vraie question, cette œuvre-là. La question de, est-ce qu'on peut tous être artistes ? Ou alors, tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Excusez-moi, je vais prendre un Dafalgan. Alex Vizorek. Alex Vizorek. La prochaine humoriste a 26 ans, tout jeune. Et elle est super contente. Elle se la raconte parce que, bon, il y a une journaliste hier qui a écrit un truc sur lui. Elle a dit « Ce jeune homme dégage quelque chose de romantique. » Je dois préciser que la journaliste est aveugle. Et c'est la première fois. C'est pour ça que je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour lui parce que c'est la première fois qu'il monte sur la scène du Montreux Comedy Festival. Et puis, c'est un Suisse. Alors, faites du bruit, mesdames et messieurs. Comment pour Alexandre Comedy. Ok, je suis chaud, je suis bouillant, ouais, je tape la piste. Vas-y, tape dans tes mains. Tape dans tes mains. Tape dans tes mains si t'as la syphilis. Bonsoir. Je suis très content. Parce que l'hiver approche. Moi, je déteste l'été, surtout ici, parce que tout le monde adore aller bronzer au bord du lac. Moi, j'y vais pas parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui sont beaucoup trop balèzes. Et moi, je complexe parce que j'ai un corps de merde. Et c'est pour ça que je porte du noir. Et vraiment, je complexe. Et j'ai remarqué que j'avais un corps de merde cet été en parlant avec une copine. Elle me dit « Tu sais, Alex, c'est tellement galère de transpirer avec ces chaleurs sous les seins. » Et j'ai dit « Ouais, je connais. » Ce corps de merde a vécu beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai vécu une rupture, c'était difficile. Ça n'allait plus trop sentimentalement comme financièrement. Non, c'est vrai, ça aide hein, quand ça va financièrement. Mais moi, le truc, c'est que j'avais toujours des mauvaises idées de cadeaux. Une fois, je me suis dit, je vais aller acheter une nuisette pour qu'elle soit sexy, pour aller dormir, parce qu'une nuisette, c'est pour aller dormir, donc ça doit pas être cher. Pas du tout. Je suis arrivé dans un magasin, il y avait une belle nuisette qui m'a tapé dans l'œil. Et j'ai dit, waouh, ça, c'est super beau. Je suis allé voir le prix, 1000 balles. 1000 balles la nuisette. La vendeuse, elle est venue vers moi, elle m'a dit, bonjour, monsieur, je peux vous aider? J'ai dit, bah, si vous avez 950 balles à dépanner, c'est... Mais je suis très content de revivre un peu ma vie de célibataire parce que je peux ressortir. Hein, c'est vrai que, parce que quand t'es en couple, tu sors plus trop, enfin, tu fais des trucs de couple, quoi. Tu vas pas en boîte, par exemple. Moi, j'adorais sortir en boîte. Et en couple, tu vas pas en boîte avec ta copine, hein, ça veut rien dire. Encore, au début, si. Tu sais, quand ta copine, c'est encore cette fréquentation, hein, et que c'est pas devenu ce problème, tu sors. Non, tu sors, c'est vrai, hein, mais non, mais en fait, ça sert à rien, parce que les boîtes, c'est fait pour aller à la chasse, hein, pour coloniser des terres inconnues. Hein, tel le reptile, tu flaires le gnou hésitant à franchir le fleuve. Donc tu vas pas en boîte avec ta copine. Les boîtes, c'est fait pour faire des rencontres. Aller en boîte avec sa copine, c'est un peu comme si j'étais un père de famille et que je ramenais mes propres gosses en Thaïlande. Mais moi aussi, ça me choque. Tu fais pas ça alors que sur place, t'as un marché qui s'ouvre à toi. En plus, non, mais en plus de ça, c'est que quand tu ramènes ta copine en boîte, toi, t'as bu deux verres, ça va. Elle, deux verres, waka waka, c'est Shakira. Non, c'est vrai, on a beau vous tenir et tout, mais à un moment donné, elle se barre et tchaa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 
T'envoies un smiley qui sourit, qui échoue, quoi. Là, je vois, il y a des filles qui rigolent, mais vous êtes pareil, hein. Parce qu'elle, droit derrière, elle me dit « Mais t'es sûr que tu veux que mater un film ?» Et elle m'envoie le petit singe qui se couvre la bouche. C'est une manière agile de dire « Casse-moi les fesses, je veux une chaise roulante. » Moi, je vais juste dire un truc. Les filles, moi, je vous pardonne rien du tout. J'ai rien à prouver à qui que ce soit parce que vous m'avez fait terriblement souffrir. Moi, petit, ado, j'étais vraiment un petit gros. Une bonne boule, bien ronde, à tel point que si tu me coupais les ongles trop courts, je roulais. Non, et c'était tout le temps pareil avec les filles. C'était tout le temps pareil avec les filles. C'était, tu sais, j'arrivais, j'étais timide, 12, 13 ans, comme ça, 14, 15, 7, l'histoire d'une vie. Et tu sais, t'arrives, tu t'approches et tu dis, ouais, tu veux sortir avec moi? Non. Mais pourquoi, je suis moche? Mais non, t'es trop chou, nique ta mère, ok? Non, mais parce que les choux, ils baissent pas. Hein? T'entendras jamais une meuf dire à sa pote, putain, le mec hier il est venu chez moi, il m'a pris par derrière, je l'ai vu dans le reflet du miroir, tellement chou, non c'est mort, ça n'existe pas, les choux ils baissent pas, y a pas d'acteur porno chou, hein. Les meufs elles couchent avec des mecs sexy, avec des mecs beaux, avec des mecs moches parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont trop bourrés, mais pas avec des mecs choux, quitte à être moche, parce que le moche il a pas de scrupules, il profite, il est là, le chou il est trop chou, hein, il la raccompagne de soirée quand elle est trop bourrée, moi je me rappelle encore lui tenir ses cheveux pendant qu'elle vomissait, alors que la seule chose que j'ai envie de lui faire c'était de lui tirer sa crinière et de lui casser son sale cul à ma meilleure amie. Les choux, ils baissent pas! Tout ce qui est chou, en plus, ça m'énerve. Tu sais, les surnoms choux aussi qu'on se donne dans les relations. Les loulou, chouchou. Pff, non, mais le pire, c'est quand ça vient au mauvais moment. Tu sais, genre, à la fin d'un rapport. Tu sais, t'es là, tu sens que ça monte. Hein? Et t'es... Et elle te prend le visage et elle te dit... Ah, boubi. Mais tais-toi! Je viens de faire un truc de bonhomme! Tu te tais, tu me respectes, ou je sais pas, tu fais pom, 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 brrr, mais tu me dis pas boubi! 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 Putain, mais je viens d'éjaculer, pas de lancer une Pokéball, quoi, c'est. Oh, c'est affolant, c'est affolant! Et je vais vous quitter sur un truc qui m'a choqué là dernièrement. Je me baladais dans la rue, et je suis tombé sur une affiche qui proposait des cours de danse de reggaeton. Est-ce que vous savez ce que c'est le reggaeton? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le reggaeton, à la base ça part d'une bonne idée, c'est une musique d'Amérique latine. Mais la danse, le reggaeton, c'est une danse où on n'apprend pas des pas, hein, mais des positions. Hein, si vous voulez, le reggaeton a inventé le concept de la sodomisation sans le besoin de se dévêtir. Si la syphilis avait un hymne, ça serait du reggaeton. Non mais parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le reggaeton c'est quoi? C'est une musique endiablée, tu sais, qui fait genre... Tu vois, ça part tout seul. Avec des paroles qui parlent d'amour en espagnol. Tu sais, je m'y connais un peu, ça fait genre... Dame, dame, el sida, dame, dame, el sida. T'es, vous rigolez, j'ai l'impression que je peux faire de l'oseille avec ça. Donc on va se quitter sur un reggaeton qui ferait genre... Dame, dame, el sida, dame, dame, el sida. La sida loca. Remix. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D. Alphabet est complète. Pour Alexandre Cominec. Je l'aime ici parce que c'est très multiculturel. Je vous regarde, parce que vous voyez, ben moi je vous vois. Quand tu me fais ça, je te vois. Je vois les visages de toutes les couleurs. Toutes les... Toi, t'es sale, mais sinon, il y a des gens ici. J'aime ça. J'aime, c'est cette culture-là que j'aime quand c'est... Moi-même, je suis de différentes cultures. J'ai grandi à la maison en marocain. À l'intérieur de la maison, on vivait en marocain. Tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en québécois. C'était bien mélangé, les deux cultures, sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. Et j'ai connu mon premier voyage au Maroc, étant né au Québec, seulement qu'à l'âge de 16 ans. Oui, c'est l'été. Je suis à la cour arrière. Je suis en train de parler avec mes sœurs et mon père arrive pour nous annoncer la fameuse nouvelle. Les enfants! Imbécile, mets-toi avec tes sœurs. Et ouais, ça y est, j'ai décidé, on part au Maroc. J'ai fait... Est-ce qu'on revient? Non, on sait pas, des fois, tu sais, ils peuvent prendre des... Mais on part, montrer, on part sans histoire jusqu'à Casablanca. 8 heures d'avion jusqu'à l'aéroport de Casablanca. Un autre 4 heures de voiture jusqu'au village de mes grands-parents. Tout petit village berbère, dans le nord des montagnes du Rif. Un pays... Bon, je t'ai menti. C'est pas 4 heures de voiture, c'est 4 heures de voiture jusqu'au village et après, c'est 2 heures d'âne jusqu'à la maison. Rigole, rigole, ça me dérange pas. T'as déjà conduit un âne, toi? Hein?
Ça part, ça arrête quand ça veut, zéro confort, forte fiesta, mon ami, je te jure. Comme ça, pendant 2 heures. Et là, on n'a rien à foutre de ta gueule. Il s'arrête quand il veut, il te fait un, Après moi, c'est la batterie. On est reparti comme ça pendant 2 heures. Après 2 heures, Montreux, je suis arrivé au village. Je sentais plus mes jambes. T'es comme du 7-Up. J'avais le coccyx égrené. Oh, je pétais en poudre. La famille se lève. La famille se lève pour me voir. Ils me regardent comme ça. Et les femmes se lèvent et font... Oh, shit. Mon père, il dit, reviens, imbécile, reviens, salopard. Ils font pas ça pour te faire peur, elles font ça pour manifester leur joie, hein? Ok? Fallait le dire, hein? Je savais pas. J'ai même su que mes oncles s'en servent comme système d'alarme après. Je te jure, dans le village, les femmes, elles sont souvent à l'extérieur, elles font du pain, gardent un œil sur l'âne, pas quelqu'un le pique. Dès que quelqu'un s'approche, oui. Et t'as mon oncle qui sort, qu'est-ce qui se passe? Ma première nuit était exceptionnelle. Moi, j'arrive de l'Amérique, c'est bruyant. On arrive là-bas, c'est calme, c'est doux. C'est romantique, je te jure, c'est calme. L'air est pur. Et vers 4h30 du matin. Il n'y a pas de snooze sur un coq? Le lendemain, je voulais l'attraper, le coq. Oublie ça, attraper un coq ou une poule. Oublie. T'es pas Rocky, mon ami. Oublie ça. C'est impossible, je te jure. T'as déjà vu un animal marcher? Et la poule, c'est l'animal le plus parano, méfiant, sur la terre. Juste mettre une patte en avant de l'autre, c'est un suspense. Oh non! Quand t'arrives pour l'approcher, j'ai adoré les gens là-bas. C'est ce qui m'a frappé le plus, les gens. Surtout mon oncle, il m'a frappé. J'adore. C'est des gens calmes. T'arrives de l'Amérique, t'es stressé, les autres sont calmes. Ils sont trop calmes. Jamais, la vérité, jamais je pourrais vivre là-bas. Parce qu'ils sont trop calmes. J'ai un oncle, il est calme. Il ralentit, il s'arrête, c'est fini. Ça va, Rachid, ça va. Ah, alhamdoulilah. Tu m'excuses, aujourd'hui, je suis un peu énervé, mais... Et ils se cassent pas la tête, c'est ça que j'aime. Nous, on arrive à trouver le moyen de se casser la tête, avec rien, avec un trou dans nos chaussettes. Non, ils se cassent pas la tête. Ils ont pas besoin d'argent. Pourquoi ils veulent de l'argent? Ils troquent, ils échangent avec qu'est-ce qu'ils ont entre eux. Yes! Combien pour ta farine? 2 poules 50. Voilà une poule. 2 poules 50. Voilà. Casse pas la tête. Tu veux de l'eau, il y a un puits. Tu veux du lait, il y a une chèvre. Tu veux une toilette, il y a un trou. Non, je ne rigole pas. Un trou, il appelle ça une toilette turque. Je rentre, il y a la céramique, il y a un trou dans le plancher. Mon oncle, ils sont partis avec la cuvette. Viens voir... Ça, c'est cuvette, mon ami. Ah, ça, c'est pas cuvette. C'est Cuba. C'est pas cuvette, ça. C'est pas comme au Québec, OK? Où il est mon siège coussiné, mon push-push à la vanille, hein? Ferme-la, fais caca. Personne m'explique comment ça fonctionne, comme d'habitude, hein? Pas de mode d'emploi, rien! C'était dur! C'était aussi dur qu'une discipline olympique. Saluons les juges. Il nous vient du Québec. Avec un record de 3 crottes la seconde. Et on départ. Oh shit, oh shit.
Oh, et là, de la précision, tu en veux beaucoup, mon ami. Parce qu'un centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la merde. Merci beaucoup. Êtes-vous prêts à accueillir le prochain invité? Faites du bruit, Montreux, êtes-vous prêts? Le prochain a gradué de l'École nationale de l'humour au Québec. C'est pas une blague, on a une École nationale de l'humour au Québec. Il a une belle plume, il a écrit pour des grands noms au Québec, des grands noms en humour, même des artistes français comme Anne Roumanoff, merci. Et il a même écrit des blagues pour moi, c'est cool. Et c'est pour cette raison qu'on l'a amené ici, parce qu'il est très talentueux et aussi, surtout, parce qu'il me doit de l'argent. Mesdames et messieurs, accueillez du Québec, Pierre-Bruno Rivard! Très content d'être là. Grosse nouvelle, bientôt je vais avoir une nouvelle bouche à nourrir. Oui. Ma copine m'a annoncé ça récemment. Elle perd son job dans 2 semaines. On est très fiers, on est très fiers. Non, j'ai pas d'enfant. Ça a l'air difficile. Qui ici, par applaudissement des enfants? Qui ici? Oui. Soyez pas gênés, je vais pas les kidnapper. J'ai beaucoup de respect pour vous, les parents. Je sais pas comment vous faites. Ça a l'air tellement compliqué d'avoir un enfant. Ça a l'air difficile à élever. Moi, des fois, je sais pas comment vous faites. Beaucoup de respect. J'étais dans un tabac il y a pas longtemps. J'attendais pour payer. Il y avait une mère avec son enfant, qui était là, le petit garçon. Et le petit garçon, il faisait une crise pour avoir des bonbons. Normal, c'est un enfant. Il dit « Viens, je veux des bonbons! Achète-moi des bonbons! Je veux des bonbons, maman! Achète-moi des bonbons! » Et sa mère, elle gronde devant tout le monde. Elle est comme « Non! Je t'achète pas de bonbons! C'est plein de produits chimiques! Je t'achète pas de bonbons! » Elle se retourne vers l'employé. Elle fait « Excusez-moi, je vais vous prendre un paquet de Marlboro rouge. Je sais, c'est quoi ça? Elle veut pas lui acheter des bonbons parce que c'est plein de produits chimiques, mais elle lui achète des cigarettes. » Mais ça a l'air que j'ai pas le droit de juger. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris parce que j'ai pas d'enfant. Ça a l'air que c'est une loi, ça. Quand t'as pas d'enfant, faut que tu fermes ta gueule. Tu dis rien parce que tu peux pas comprendre. Tous les gens que je connais qui ont des enfants me disent toujours ça. T'es pas un parent, tu peux pas comprendre. Quand tu seras un parent, on se reparlera. Je suis pas un sèche-linge non plus, mais je sais que c'est pas bon de donner des coups de batte de baseball dessus. Hein? C'est quand même une opinion. Mais non, t'es pas un parent, tu peux pas comprendre. Quand tu seras un parent, on se reparlera. Et les parents, c'est le seul domaine où on tolère cette loi-là de « t'en es pas un, tu peux pas critiquer ». C'est les seuls. Tu verras jamais genre un journaliste en conférence de presse. « Monsieur le premier ministre, pourquoi il y a un déficit cette année? Bah, » Écoutez, là, vous êtes pas premier ministre, vous pouvez pas comprendre. « Quand vous serez premier ministre, on se reparlera. » Hein? J'écris quoi dans mon journal, moi? J'écris que ça va bien, c'est facile ton job. « Hey, t'es pas journaliste, tu peux pas comprendre! » Quand tu seras journaliste, on se reparlera. Sécurité, sortez cet homme. Pourquoi tu me touches, toi? Hey, t'es pas agent de sécurité, tu peux pas comprendre. Et ça finit jamais. C'est ce que je trouve qu'on surprotège les enfants aujourd'hui. Je trouve qu'on les surprotège. Des fois, je vois des petits garçons qui font du vélo avec un casque, des protections partout. Ils tombent, ils se font pas mal et c'est pas bon. Non, parce que pour bâtir ton jugement dans la vie, il faut que tu fasses des erreurs. Si tu tombes jamais, t'apprends pas à te relever. Si tu fais, tu te cognes pas, t'apprends pas à faire attention. Fait que ça va juste donner un adulte 15 ans plus tard qui va faire un accident de voiture parce qu'il a jamais bâti son jugement puis il a un raisonnement de merde du genre « Bon, plus je roule vite, plus vite j'arrive chez moi, donc moins j'ai le temps de faire un accident. » Ouais, je suis un génie! Là, t'es comme, non, t'es pas un génie! Mais je comprends les parents, je suis pas con. Je comprends les parents de vouloir faire attention à leurs enfants, quand même. Ça t'a quand même pris 9 mois avant de l'avoir. Eh oui, une grossesse, c'est 9 mois. C'est long, 9 mois. N'importe quoi que t'attends 9 mois, quand tu l'as, tu fais attention. Moi, si je commande un canapé puis je le reçois 9 mois plus tard, je vais faire attention, mais oui! Il va avoir des règlements. Bois pas de jus de raisin, enlève tes souliers. T'sais. C'est la même chose pour un enfant. Oui, je suis sûr, c'est le temps d'attente qui fait qu'on aime à ce point-là les bébés. Hein? On triperait pas mal moins ces bébés si les grossesses duraient 2 jours. C'est comme, chérie, j'ai mal au cœur. Ben là, qu'est-ce que je fais? Mets-les dans la pile. On aimerait moins ça.
Non, mais quand c'est moyen de faire un enfant que de décongeler un kilo de steak haché, là. Hein? Ça enlève de la valeur à ton projet. Ça, je trouve qu'on les survalorise, les enfants. C'est correct de les encourager, c'est important. Mais des fois, il y a des parents qui sont complètement dingues. Ils sont comme, regarde mon enfant, il marche! J'espère qu'il marche, ça fait un an que tu l'as. Non, mais c'est vrai, t'as-tu déjà vu un documentaire à la télévision sur une girafe qui accouche? 5 minutes, le bébé girafe, il est debout, il suit sa mère. Je m'excuse, mais ton enfant est en retard sur une girafe. Puis il marche. C'est un grand mot, il marche, là. Puis je trouve qu'on les survalorise pour plein de trucs. Les dessins. Les dessins d'enfants. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un dessin d'enfant? Oui, un dessin d'adulte. Bon. Ce qui m'énerve, c'est les parents qui oublient qu'ils ont déjà été des enfants puis qui se mettent à reprocher à leurs adolescents ce qu'ils faisaient eux aussi quand ils étaient jeunes. Hein? Mais ils ont juste oublié. Moi, quand j'entends des parents se plaindre de leurs ados, « Ah, oh, mon ado, il fait juste manger et dormir toute la journée. » Je suis comme, « Oui, mais c'est de ta faute. » Tu l'as entraîné à faire ça les 10 premières années de sa vie en le suppliant. Tu étais comme, « Mange, termine ton assiette, dors, reste dans ton lit, reste couché, il faut que tu dormes. » Et la journée où enfin il décide de t'écouter et de faire juste ça, tu le grondes pour vrai. Hein? Il t'écoute pour la première fois de sa vie, laisse-le faire. Et c'est quoi cet argument-là? Moi, mon ado, il fait juste manger et dormir toute la journée. Ton chien aussi, il fait ça. Mais tu te plains pas parce que tu sais que ton chien, quand t'en peux plus, tu peux t'en débarrasser et pas ton enfant. C'est vrai, tu peux pas faire comme « Hey Rémi, viens ici! » Quoi? Pow! Mon Dieu, pourquoi t'as fait ça? Ben, il devenait vieux, il voyait mal, il marchait bizarre. Bon, s'il y en a qui trouvent ça trop trash comme blague, là, trop dur, ben écoutez, vous êtes pas humoriste, vous pouvez pas comprendre, OK? Quand vous serez humoriste, on s'en reparlera. Merci beaucoup, Montreux, vous avez été merveilleux. Pierre-Bruno Rivard! Pierre-Bruno Rivard! Good job, good job. Pierre-Bruno Rivard. Elle a un accent plus fort que moi parce que moi, je me force. Sinon, je parle comme ça, vous allez rien comprendre. Pourquoi il parle comme ça? C'est fou! J'adore. C'est vrai, quand il parle des parents. Les parents, on ne sait pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'on soit nous-mêmes parents, on ne peut pas comprendre pourquoi ils s'inquiètent autant et pourquoi ils nous... Moi, j'ai un père qui était un peu fou. C'est grâce à lui que je suis encore vivant, je pense, aujourd'hui. Mais à chaque fois, il était toujours contre ce que je faisais. À chaque fois. Quand j'étais jeune, avant même d'être un fan de Michael Jackson, j'étais un fan de piano. Je voulais jouer du piano pendant 2 ans, je sais pas ce qui m'a pris, je voulais être Beethoven, jouer du classique. À chaque Halloween, je me déguisais avec la perruque, tu sais, la perruque, la redingote, Beethoven. Et un jour, j'ai fait flipper mon père. Les études chez nous, c'est trop important. Pas! Je sais ce que je vais faire dans la vie, je lâche l'école, je lâche tout. Je vais être Beethoven et refaire la musique. Il m'a dit, ça tombe bien, moi, je vais être dentiste et refaire tes dents. Peut-être qu'on peut... Hein? Tu oublies ça maintenant. Il n'y a pas d'arabes qui font le classique. T'as compris ça? La seule fois où tu vas entendre arabe et classique dans la même phrase, c'est genre, hey, t'as vu l'arabe, il a fait sauter 3 buildings, hey, classique. Mais sinon, tu... Ça va. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le prochain humoriste? Il est sans doute la voix la plus connue de la diaspora africaine. Il est excellent, il est drôle. Et en plus, c'est vrai, c'est pas une blague, il a étudié en physiologie végétale. Quoi? Quand je lui ai demandé en coulisses, c'est quoi physiologie végétale, s'il te plaît? Il m'a dit, si t'as du feu et du papier à rouler, je vais te montrer. Alors, mesdames et messieurs, accueillez, faites un triomphe pour Maman! Bonsoir. Bon, je suis très content et très ému de me retrouver en Suisse. Oui, parce que pour un Africain, venir en Suisse, c'est un peu venir en pèlerinage, quoi, tu vois. Mais oui, quand un Africain se promène dans les rues de Genève ou Zurich,
C'est comme un chrétien qui se promène à Lourdes ou un musulman à la Mecque. Il n'y a que des lieux saints, tu vois. Oui, parce que tu es là, tu te promènes, tu trouves des Africains en prière devant un bâtiment. Tu vois. En fait, ils sont en train de prier devant la banque où leur président est venu cacher plus de 450 millions de dollars, tu vois. Et ils sont là, et ils prient pour que par l'opération du Saint-Esprit, ces 450 millions d'euros retournent au pays, tu vois. Puis tu continues, tu trouves d'autres Africains en prière devant un autre bâtiment, tu vois, c'est une clinique privée, ultra perfectionnée, où ce même président vient tous les mois subir son check-up, soigner ses entorses, ses rhumes. Et alors il prie pour que par l'opération du Saint-Esprit, les 450 millions là construisent la même clinique là-bas au pays, tu vois, voilà. Alors... Il y a tout un circuit comme ça, tu continues, tu vas tomber sur le palace où ce même président vient, thalasso, sauna, tous les mois, puis tu continues, tu tombes sur l'école où il a mis ses enfants, tu vois. Et il y a un président africain dont je tairai le nom, peut-être qu'il y a des Camerounais dans la salle, tu vois. Alors le président Paul Biya... Il adore tellement la Suisse qu'il passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Tu vois. Ce qui fait que quand il rentre au Cameroun, les Camerounais disent « Le président Paul Biya est en visite officielle au Cameroun. » Tu vois. Paul Biya, 30 ans qu'il est au pouvoir. Plus de 30 ans, mon ami. Tu vois. C'est normal qu'il en ait marre des Camerounais. Hein. 30 ans, même avec une femme, 30 ans de mariage, c'est trop. C'est normal que tu prennes une maîtresse. Hein. Oui, vous, les Suisses, vous êtes la maîtresse de Paul Biya, mes amis, tu vois. Et on dirait que cette fois-ci, la maîtresse a décidé de garder l'héritage, tu vois. Bon, j'arrête de parler de Paul Biya, oui, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai envie de rentrer tranquillement en Afrique, tu vois, et pas être obligé de... faire appel à la Convention de Genève en demandant l'asile politique ici en Suisse, tu vois. Oui, j'ai pas envie de fâcher mon ami Christophe Blocher, tu vois. Alors, ce qui me fascine en Suisse, c'est que tu as trois catégories d'étrangers. Alors, tu as les joueurs de l'équipe de France, tous les champions de Formule 1, des chanteurs super connus. Eux, ils vivent ici parce qu'ils ont fui les impôts de leur pays. Et t'as tous ces présidents africains qui n'ont pas fui les impôts de leur pays. Non, ils ont fui avec les impôts de leur pays, tu vois. Et t'as la troisième catégorie d'étrangers, tu vois, c'est tous ces migrants qui ont fui, ces dirigeants qui ont fui avec les impôts de leur pays, tu vois. Donc Christophe Blocher, il connaît la solution. S'il veut plus de migrants ici, il faut rendre les 400 millions de dollars là, tu vois. Ah, mon ami, j'adore la Suisse. Bon, alors, pour pas donc avoir de problème, pour ne plus citer de nom, pour ne pas fâcher mon ami Christophe Blocher, c'est pour ça que je ne dis plus que je suis représentant d'un pays ou de l'Afrique, mais représentant de la République très, très démocratique du Gondwana. C'est un pays imaginaire, mais qui existe bien, tu vois. Vous le connaissez, c'est un pays qui est situé très exactement au sud de l'Espagne, et au nord de Johannesburg, tu vois. Oui, très exactement ici, tu vois. Vous voyez, je ne prends pas de risque, hein. Et à la tête de la République très, très démocratique du Gondwana, il y a notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur. Prénom, président, nom, fondateur. Ouais, je ne prends pas de risque, vous voyez. Le président fondateur, il est au pouvoir depuis toujours, jusqu'à fatiguer, comme on dit en Afrique, tu vois. Alors, président fondateur, c'est le spécialiste de la démocratie. Il a inventé toutes les techniques pour rester au pouvoir. Par exemple, il a inventé un nouveau type d'élection, c'est les élections surprises. Oui, il appelle l'opposition pour leur donner la date des élections. Il leur dit « Eh, les élections, c'était hier, j'ai gagné ».
C'est très bien ça, pas de campagne électorale, et donc c'est de l'économie, c'est de l'argent économisé pour le pays, quoi. De l'argent qu'on vient de déposer dans les banques ici à Genève, tu vois, comme j'étais. Président fondateur, il a aussi inventé un nouveau type d'élection. Alors, vous connaissez les élections à deux tours, les élections à un tour. Eh bien, au Gondwana, on a inventé les élections à demi-tour. Oui, le jour de l'élection, t'as l'électeur de l'opposition qui se lève avec sa carte d'électeur pour aller voter. Et il tombe sur un policier qui lui dit « Hé, tu vas où comme ça? Tu sais pas que c'est les élections à demi-tour? Fais demi-tour, rentre chez toi. » Rentre chez toi, on va voter pour toi, mon ami. Alors, il y a aussi le fait qu'au Gondwana, les élections, c'est tellement un moment privilégié que c'est devenu un jour saint. C'est une fête religieuse, le jour des élections. C'est la fête de Pâques. Bon, à la fête de Pâques, vous le savez, il y a une tradition où les parents cachent des œufs dans le jardin pour que les enfants les trouvent. Au Gondwana, président fondateur fait la même chose. Il cache les bureaux de vote. Et les électeurs de l'opposition passent toute leur journée à chercher les bureaux de vote, tu vois, partout. Et quand ils trouvent leur bureau de vote, il est minuit, une minute, c'est trop tard, tu vois. Le Gondwana, bon, il y a quand même des choses positives au Gondwana. Bientôt, on va avoir le prix Nobel de physique au Gondwana parce qu'on a inventé un nouveau type de courant alternatif, les délestages. Les délestages, c'est les coupures de courant, de 6 heures du matin à 5 heures le lendemain, tu vois. Les délestages, c'est un coup, il y a courant, un coup, il n'y a pas courant. Un coup, il n'y a pas courant, un coup, il n'y a toujours pas courant, mon ami. Tu vois, pourquoi c'est révolutionnaire? Pourquoi on va avoir le prix Nobel avec ça? Parce que les délestages, quand on te coupe le courant, ben, tu n'as plus d'électricité, plus de frigo, plus de climatisation, plus d'ordinateur, rien du tout, tu vois. Tout ce temps qu'on te coupe le courant, mais tu préserves la couche d'ozone. C'est écologique, ça, non? Les délestages, c'est le sous-développement durable, mes amis, tu vois. Merci. Maman! Merci. Faites du bruit pour Maman! Le prochain humoriste dit avoir découvert par hasard qu'on peut raconter des blagues et faire de l'argent en même temps. OK. Quand vous allez le voir, s'il vous plaît, ne vous fiez pas à sa tête de premier de classe. Il joue ici ce soir également à domicile. Faites du bruit, un maximum de bruit pour Thomas Wiesel! Moi, je suis l'ambassadeur suisse et je suis évidemment très honoré d'accueillir ici tous nos invités québécois, africains, belges, français, parce que ça prouve que malgré nos votations, les étrangers arrivent encore à rentrer sur le territoire suisse. Tant qu'ils promettent de repartir immédiatement après. L'Algala est bientôt terminé, faites vos valises, les gars. Voilà, moi, je suis vraiment très content de revenir à Montreux. Montreux, c'est une formidable vitrine pour les humoristes. Moi, je vous cache pas que maintenant, on me reconnaît un peu. Parfois, on m'arrête dans la rue. On vient me parler, on me dit « Trop bien tes vidéos, Cyprien, continue. » Et ambassadeur suisse, c'est vraiment, vraiment cool. Mais ce serait encore plus cool si c'était ailleurs qu'en Suisse. J'ai un petit peu l'impression de m'être fait entuber quand même. Les autres, on leur paye des billets d'avion, des hôtels, des chauffeurs. Moi, on m'a remboursé le demi-tarif Lausanne-Montreux. Il y avait même des humoristes anglophones cette année à Montreux. Et ils disaient tous « I'm very happy to be in Montreux ». Je leur ai expliqué que ça voulait pas dire tout à fait la même chose. Et en général, c'est quand on est dans le trou des autres qu'on est heureux. Mais moi, ça me dérange pas trop d'être à côté de la maison, de pas avoir dû prendre l'avion. C'est tellement risqué ces temps. Il y a de plus en plus de catastrophes aériennes alors qu'il y a de plus en plus de mesures de sécurité. Ce qui m'a frappé, c'était le copilote qui s'était enfermé dans le cockpit pendant que le pilote allait aux toilettes. Visiblement, les pilotes ont la même nourriture que nous dans les avions. Et il ressort des toilettes, il essaie de défoncer la porte du cockpit avec une hache. Il donne des grands coups dans la porte comme ça, il arrive... Attends. Il y a une hache dans l'avion. Et nous, on nous confisque notre dentifrice. C'est quand même pas super logique. Qu'est-ce que tu peux faire avec un dentifrice que tu peux pas faire avec une hache? Ouvrez cette porte ou je frotte fort sur les gencives. Vous saviez-vous qu'il y avait une hache dans les avions? Mais en tout cas, les terroristes, ils savent maintenant.
Ils vont arrêter d'essayer de se faire passer des cutters dans le rectum, c'est trop dangereux. Laisse le cutter dans la voiture, il y a une hache à bord. Pourquoi il y a une hache? C'est pas chauffé au bois. Ouais, c'est pour ouvrir la porte. Ben non, ça marche pas. Utilise une clé, connard. Imagine, t'es dans l'avion. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Je suis actuellement bloqué à l'extérieur du cockpit. Est-ce qu'il y a un bûcheron à bord? Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. I am currently stuck outside the cockpit. Is there a bûcheron on board? De toute façon, maintenant, genre, même les voitures, c'est devenu risqué. On a vu le scandale Volkswagen. Alors, tous les médias disaient que le scandale avait sali l'image de marque de Volkswagen. Salir l'image d'une marque qui a été fondée par les nazis, c'est impossible. Ils ont renforcé leur image de marque. Ils ont trouvé un moyen d'asphyxier des gens un demi-siècle plus tard, c'est tout. Voilà. Moi, je suis juif, hein, donc si vous riez pas, vous êtes du côté des nazis. Voilà, je devrais dire ça à chaque blague pour détendre l'atmosphère. Non, en plus, je suis pas vraiment juif, je suis d'origine juive, mais je dis que je suis juif parce que c'est plus simple et parce qu'il paraît que dans ce métier, ça peut ouvrir pas mal de portes. Bon, parfois c'est celle d'un four, mais... Je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de pas la garder. En tout cas, je voulais vraiment vous féliciter d'être venu voir un spectacle d'humour, parce que par les temps qui courent, c'est un vrai acte citoyen. Mais il faut continuer de le faire, continuer de sortir, continuer de rire, de boire, de faire l'amour pour combattre le terrorisme. Et s'il y a une jeune fille ce soir qui veut combattre le terrorisme avec moi... Je suis disponible après le spectacle. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui pense comme moi. Et la réaction qui m'a le plus choqué après les attentats, c'est celle de Donald Trump. Vous voyez que c'est le candidat à la présidence américaine avec la perruque. Il paraît que c'est pas une perruque. Mais si tes cheveux ressemblent à ça, achète une perruque. Lui, il a dit que le problème, c'est qu'en France, il y avait des lois sur le port d'armes trop strictes, que si les Français avaient plus d'armes, comme les Américains, ben, il y aurait eu moins de victimes. Donc pour Trump, les attentats, c'est la faute des victimes. Il faut faire comme aux États-Unis. Il y a 300 millions d'armes à feu aux États-Unis, une par personne en moyenne. Depuis 2001, il y a eu 300 victimes du terrorisme aux États-Unis. Il y a eu 366 923 victimes d'armes à feu aux États-Unis. Ils ont résolu le terrorisme. Tu peux pas te faire tuer par un terroriste si tu t'es déjà fait tuer par quelqu'un d'autre. Tu peux pas mourir dans un attentat si t'es déjà mort. C'est du génie. Vraiment, Donald Trump, tu penses que les mecs doivent prendre un flingue pour aller à un concert de rock? T'as vu la foule à un concert de rock? Moi, les mecs bourrés qui font des pogos, déjà, ça me fait peur. Tu rajoutes un flingue chargé dans les poches, il y a 100 morts chaque putain de semaine. Et au concert de Mireille Mathieu, la tentation serait trop forte de l'achever, quoi. Non. Elle finirait même pas la première chanson, quoi. À celui de James Blunt, il y aura un suicide collectif. Je suis un peu jaloux, moi, des chanteurs comme ça. Parce que quand j'ai commencé l'humour, on m'a dit, tu verras, ça cartonne avec les filles. Elles vont se jeter sur toi. Ça fait 4 ans que je fais ce métier. Et s'il y a un truc que je peux vous dire, mesdemoiselles, je vous trouve impressionnantes de retenue. Bon, je sais, hein, je sais que j'ai pas un physique qui fait rêver. Je suis pas horrible. Mais quand une fille me dit, ah, Thomas, j'ai rêvé de toi. Ah ouais, on faisait quoi? Des maths. Voilà. Et en plus, je suis timide, je suis tout le temps entouré d'humoristes qui le sont pas, donc j'ai l'air vraiment... Et une fois, j'ai essayé de draguer une meuf, et il y a un pote humoriste qui a eu pitié, il voyait que j'arrivais pas, il a décidé de me donner conseil, il est venu vers moi, il m'a dit, tu sais Thomas, moi j'ai niqué plus de 1000 meufs. Déjà là, j'écoute. C'est une bonne entame, parce que moi, je suis en dessous de la barre des 1000. Et il me dit, tu vas vers cette fille, tu la regardes dans les yeux, tu lui dis, tu me plais, et tu l'embrasses. Ah! Donc ton conseil pour la pécho, c'est de la pécho. Ok, parce que moi j'y avais pas pensé. Moi j'allais l'emmener faire du patin à glace, espérer qu'elle glisse et qu'elle retombe sur ma bite, quoi. Non mais l'embrasser, c'est pas mal. Genre, le type avait pas compris que c'est pas que je savais pas ce qu'il fallait faire, c'est que je suis incapable de faire ça. Pour moi c'est physiquement impossible d'oser faire ça. Est-ce que moi, je vais voir un mec en chaise roulante et je lui dis, tu sais mec, moi j'ai fait plus de 1000 pas. Tu lèves ton cul, tu mets le poids sur ta jambe gauche, tu mets le poids sur ta jambe droite et tu vas choper cette meuf. Non! Une fois, il y a une meuf qui m'a dit, Thomas, je veux pas coucher avec toi. Non, plusieurs fois, il y a une meuf qui m'a dit, Thomas, je veux pas coucher avec toi. Mais une fois, elle m'a dit, parce que les mecs comme toi, les geeks, vous êtes des mauvais coups. Et ça m'a vexé.
C'est faux. Parce que nous, on a bossé la théorie à mort. On a potassé, on a lu des articles. Alors, dans le feu de l'action, c'est parfois compliqué de calculer un angle, mais on a un plan. Après, moi, j'enlève mes lunettes, je suis moins précis. Mais il y a même besoin de dire plus vite, moins vite, parce que nous, on a développé un algorithme pour adapter nos mouvements en fonction de vos grognements. Nous, on a une feuille Excel avec vos positions préférées. Nous, on fournit des genoulières pour pas que vous vous fassiez mal pendant les fellations. Nous, notre fantasme, c'est pas un plan à 3, c'est un plan à 3,14159265358. Nous, non seulement on sait que le point G, il existe, mais on a les coordonnées GPS. Nous, on a appris l'alphabet japonais uniquement pour le faire sur votre clitoris pendant un cunnilingus. Alors laissez-nous une chance. Parce que moi, sur le papier, je suis un dieu du sexe. Après, en pratique, j'arrive pas encore à faire tout ça en 22 secondes. Et puisque on commence à se connaître bien, montrer, j'aimerais vous avouer un truc. Moi, j'ai un fantasme très bizarre. Je rêve de coucher avec Marion Maréchal Le Pen. Déjà parce que le sexe, c'est agréable, il paraît. Et parce que je rêve de lui faire le coup du rodéo. Je vous explique ce que c'est. Vous êtes avec Marion Maréchal Le Pen, blonde, 26 ans, gros seins, facho. Elle est couchée sur le dos. Vous grimpez dessus. Et une fois que vous êtes dedans, vous rapprochez vos lèvres de son oreille et vous le susurrez doucement. Mon vrai prénom, c'est pas Thomas, c'est Mohamed. Et vous regardez combien de temps vous arrivez à rester dessus. Merci beaucoup, bonne soirée. Thomas Wiesel. Thomas Wiesel. Le gala tire à sa fin. On va accueillir le dernier humoriste. C'est toujours le plus courageux. On sait jamais. Mais avec vous, de toute façon, ça se passe bien. Vous riez comme si c'était au début. Vous êtes très, très généreux. Mais je veux qu'on commence déjà à l'applaudir pendant que je le présente. Vous donnez toute l'énergie qui nous reste. C'est parfait. Et en plus, vous êtes synchro. Vous êtes fantastique. Mesdames et messieurs, continuez à l'applaudir. Il nous vient de Paris. Comment, mesdames et messieurs, Adrien Arnoux. Merci beaucoup, Montreux. Comment ça va ce soir? Ah, ça fait trop plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui. Pleine d'aventures, il s'est passé plein de trucs. J'ai rien foutu non plus, hein, je vous rassure. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis taillé les poils pubiens du visage pendant environ 4 heures. Ce résultat pitoyable que vous voyez là. Et je suis obligé parce que je peux pas laisser pousser. J'ai pas une vraie barbe comme t'as toi. Tu sais, un truc épais, viril, masculin, genre yeah. Moi, j'ai une barbe de mec qui joue à Warcraft. Tu sais, ça fait tout dans le cou, 3 poils de merde sur les joues comme ça. C'est Game of Thrones, Walking Dead. C'est... En même temps, je suis obligé de garder quelque chose quand même, parce que je sais pas toi, mais moi, si je me rase complètement, c'est une horreur, je sens même plus un homme. On dirait une lesbienne qui a un cancer de la gorge, donc c'est vraiment pas possible. Le fait que les gens rient tous les soirs à cette vanne me déprime de plus en plus, mais... En plus, je voudrais pas qu'il y ait malentendu, parce que je suis un homme, et je suis également hétérosexuel. Voilà, vous faites ce que vous voulez, cette information. J'ai un frère plus jeune que moi, en revanche, et lui, il est complètement, complètement gay. Il sait que je dis ça sur scène, t'inquiète pas, je suis pas un connard. Je suis pas en train de lui faire son coming out en public, dans son dos. Ça veut dire qu'il suce des bites, mon frère, c'est ça que je suis en train de faire. Non. Non, il m'a autorisé. Il m'a dit quoi déjà? T'es pas connu, on s'en bat les couilles. Bon, bah allons-y alors. Quel connard. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il soit gay, en fait. Je comprends pas qu'on puisse avoir un problème avec ça de nos jours. Et pourtant, il y a des gens de ma propre famille que ça met très très mal à l'aise. Moi, ces gens-là, ils me dépriment un peu, tu sais, les gens vraiment homophobes comme ça. Mais il y a un truc qui m'amuse avec eux quand même, c'est qu'à chaque fois que tu leur demandes des vrais arguments concrets, ancrés dans la réalité, genre pourquoi ça te pose problème, systématiquement, ils se mettent à te décrire un futur apocalyptique dans lequel tout le monde s'encule et plus personne fait d'enfants. C'est fini. Ils ont peur qu'on se regarde tous un jour, genre bon bah, je crois qu'on est tous pédés, c'est la fin du monde, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs sont tellement vénères, mais ils ont aucun argument, du coup ça donne « c'est pas le bon trou, c'est pas le bon trou !» Ok, calme-toi, mon dieu. Ouais, alors au-delà de ça, j'ai vraiment aucun problème avec le fait qu'il soit gay. Mais il y a quand même un truc qui me saoule avec lui, pour être 100% honnête avec vous. C'est qu'il baise beaucoup plus que moi, ça c'est un truc de ouf. Ouais. Je suis très content pour lui, hein. Mais tu sais, il a 25 ans, et il a jamais connu de phase dans sa vie où c'était un peu galère, tu vois, il s'amuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi je considère que c'est pas juste. J'ai l'impression que quand t'es gay, tout ce que t'as à faire, c'est aller sur internet et faire « Y a quelqu'un qui est chaud pour me chez les boules, vite fait !»
t'as 50 mecs sortent d'un buisson, genre, bah moi, grave, c'est où? Moi, si je fais ça, bah je vais en prison, en fait, hein, tout simplement. Et j'ai tellement peur d'aller en prison, j'ai très très peur d'aller en prison. J'ai peur d'être trop bien accueilli là-bas, en gros, c'est ça mon, c'est ça mon angoisse. Et de même, ma plus grosse angoisse, c'était d'être incarcéré à l'étranger. Tu sais, j'avais des reportages au Mexique, au Salvador, putain, ça a l'air horrible. Et après, je me suis rendu compte, ouais, en France, ce serait pas terrible non plus, en fait. Seule différence, c'est que je me ferais violer dans ma langue natale. Franchement, je préfère ça qu'un mec qui me souffle dans le dos, genre, oh, si, muy bien, andale, andale. Après, c'est un choix. Hein. Alors, puisqu'on parle de ça, il m'est arrivé un truc de ouf dans le métro parisien il y a pas longtemps. Ouais. Vous savez, en ce moment, à Paris, on parle beaucoup de harcèlement sexuel dans les transports en commun, pour les filles. Voilà, moi, il se trouve que ça m'est arrivé à moi. J'essaie de comprendre pourquoi, par le biais de la scène, en racontant ça tous les soirs. Parce que je pensais que c'était réservé aux filles. Donc ma théorie, c'est que j'ai un truc un peu victime dans le regard. Genre, ah oui, bien sûr, oui. Ça pourrait peut-être me plaire, qui sait. Je sais pas. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est important, vous comprenez que c'est une vraie histoire, parce que, en fait, c'est tellement plus simple pour moi d'écrire des vannes sans avoir à les vivre avant avec mon vrai corps, tu vois. J'étais dans un wagon bondé, heure de pointe, et il y a un mec qui a essayé de me mettre un doigt dans le cul. Voilà. Ouais, je suis content que ça fasse marrer. Du coup, maintenant, quand je croise une fille qui se plaint des frotteurs dans le métro, j'ai envie de lui dire frotteur. Petite joueuse, vraiment. Minable. Et ça, je peux le raconter parce que je suis un mec. On est d'accord. Si toi, tu racontes ça à ta copine, elle va te dire quoi? Oh mon Dieu, ma chérie, mais c'est horrible. Tu veux un chocolat chaud? Mets une couverture sur les épaules, genre, ça va aller, ça va aller. Moi, je dis ça à mes potes, ils me font, ah, alors, t'as vu sa bite? Ils ont rien à foutre, y'a aucune... aucune compassion, quoi. Alors, est-ce que c'était ma faute ou pas? Peut-être, parce que j'ai quand même vu comment il m'a fixé au moment où je suis rentré dans le train, tu vois, genre... Je dis, oh putain, il veut quelque chose. Et je croyais que c'était mon portable, par habitude. Du coup, je me suis dit, bon, le train est bondé, il peut pas aller vers moi, j'ai qu'à lui tourner le dos. Voilà, meilleure idée que j'ai eue de ma vie, évidemment. Du coup, je l'ai oublié pendant quelques stations. J'étais face à la porte, comme ça, j'attendais mon arrêt tranquillement. Et au moment où on s'est rapproché de mon arrêt, c'est là que la fouille a commencé, mesdames, messieurs. Ouais. Je l'ai pas senti immédiatement parce que, tu sais, j'avais genre un long manteau d'hiver et un pantalon, évidemment. Oui, sinon, c'est ma faute, hein, pour le coup. Et un caleçon, donc il y a quand même trois couches à traverser. C'est quand même un sacré défi, tu vois, fallait avoir envie. Du coup, j'ai commencé à sentir un truc. Mais au début, je pensais juste qu'il poussait pour sortir parce qu'on arrivait. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, C'est quand même bien précis comme poussage, là. Peut-être c'est un touriste, il pensait comme ça quand on ouvre la porte, je sais pas. Est-ce qu'il a vu l'autocollant avec le lapin qui dit, mets pas tes doigts dans la porte? Et il s'est dit, oh, bah, j'allais mettre là, alors, je sais pas. Commençais à sentir un truc un peu graduellement, genre, wow, 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 wow. Et au moment où j'ai compris ce qui se passait, je me suis retourné. Donc maintenant, je sais que c'est ça mon premier réflexe quand je me fais doigter. Genre, ah, bonjour, qui est-ce? Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Je me suis retourné et là, nos regards sont croisés. Et c'est là que les portes du métro sont ouvertes. Et qui s'est barré en courant dans la station Place de Clichy, qui était bondée elle aussi. Merde, qu'est-ce que je pouvais faire, tu vois? J'ai pensé à lui courir après pour lui péter la gueule. Mais j'avais peur qu'il me plaque au sol et qu'il me redoite une deuxième fois. J'aurais pu dire un truc, mais qu'est-ce que tu te dis dans un moment pareil de... Arrêtez-le! Qu'est-ce qu'il vous a fait? Laissez tomber! Merci beaucoup, c'est tout pour moi, je m'appelle Adrien. À très bientôt. Adrien Arnoux, mesdames et messieurs! C'est ce qui m'est fait à ce gala. Et j'aimerais également remercier les artistes qui vont revenir sur scène. A commencer par Guillermo Guise, de son vrai nom Guy Verino, Alex Fissorek, Alexandre Kominek, Pierre Bruno Rivard, Maman, Thomas Wiesel et Adrien